C'est vraiment devenu le sujet du jour aux États-Unis, les problèmes de mémoire de Joe Biden. Est-ce qu'il a encore les capacités cognitives de poursuivre son mandat comme président? Il a fait cette sortie hier où il essayait finalement de se défendre. Ça a donné lieu à un grand moment de malaise avec, entre autres, cet extrait. On va le rejouer à nouveau pour que les gens nous écoutent et nous suivent dans la discussion. Quand il s'est trompé, il parlait du président de l'Égypte et il a nommé le pays Mexique. Voici ce que ça a donné. Initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Bon, Raphaël, j'aimerais commencer avec vous parce que tout ça commence avec le rapport de ce procureur qui était mandaté pour faire le point, à savoir est-ce qu'on fait des inculpations ou pas. C'était vraiment un sujet qui était important quand même avec les dossiers classifiés qu'on avait retrouvés à la résidence de Donald Trump. Et c'est un drôle de rapport qu'il a rédigé en disant, bien, écoutez, il n'y aura pas d'inculpation parce qu'un jury aurait devant lui un vieil homme sympathique avec de graves problèmes de mémoire. Il donne quelques exemples. Il va jusqu'à dire, M. Biden, il a même oublié le moment où son fils est mort. Ça a furieusement fâché M. Biden. Est-ce qu'il n'est pas un peu... Déjà, le rapport, est-ce qu'il n'est pas un peu, comment dire, connoté, teinté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est ce que la vice-présidente de M. Biden est allée déclarer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était politiquement motivé. En même temps, Julie, vous mentionnez que c'était la question du rapport, c'était le début de l'histoire. Je vous soumettrai en fait peut-être que c'est, dans un sens, la fin de l'histoire. Voici ce que je veux dire par là. Ça fait maintenant pas des semaines ou des mois, ça fait quelques années où il y a à répétition des situations de, je vais y aller avec un mot poli, là, de malaise autour de M. Biden. On a eu l'épisode, par exemple, où il a chuté à vélo, et là, ce qu'on disait, c'est ça peut arriver à tout le monde, c'est un accident. Autre moment où il chute à côté d'un lutrin, on dit c'est de la faute de quelqu'un qui a laissé une poche de sable par terre. Un moment où il termine un discours au Connecticut en déclarant « God save the Queen », alors que la reine est déjà décédée. Et on a un épisode comme ça. Évidemment, cette semaine, on en a eu deux assez spectaculaires, avant même celui que vous avez fait jouer, où il est allé mentionner qu'il avait rencontré des leaders étrangers qui étaient déjà décédés au moment où M. Biden dit les avoir rencontrés. Et donc, je vous soumettrai que c'est la fin de l'histoire, le rapport, dans la mesure où pendant des années maintenant, il y en a qui ont soit voulu faire dans le déni ou voulu minimiser ça. Là, d'un point de vue politique, ça devient quasiment impossible, à part pour les plus, et encore une fois, je le dis avec respect, là, les plus fervents partisans de M. Biden, de faire comme si tout allait bien. Mm. Et c'est pas pour rien, soit dit en passant, que le président est sorti, comme il le fait très rarement avec un point de presse improvisé de la sorte. Il sentait clairement qu'il devait, à quelque part, essayer de récupérer quelque chose qui est peut-être très, très difficile, pour ne pas dire impossible à récupérer à ce stade-ci. On parlera justement de cet exercice de récupération. Finalement, est-ce qu'il a perdu plus de plumes qu'il en a gagné là, avec cette sortie? Mais d'abord, sur le rapport, Michel. Alors, Raphaël le disait, Kamala Harris et d'autres aussi ont dénoncé ce rapport en disant qu'il y avait quelque chose de teinté politiquement là-dedans. Mais il reste que c'est quand même... Le travail du procureur, c'était de dire il y a ou il n'y a pas des inculpations. Et finalement, il nous fait une sorte d'espèce de portrait de la santé cognitive du gouvernement avec... Mais ça a de lourds impacts, on l'imagine bien. Est-ce que vous, ça vous a surpris? D'une part, ça m'a surpris, puis en même temps, il ne faut pas s'en surprendre parce qu'un procureur, son travail, c'est d'accumuler des preuves contre quelqu'un, c'est de le mettre en accusation, c'est pas de le disculper, il n'est pas avocat de la défense. Donc, à un moment donné, le procureur dise « Écoutez, moi, je pense qu'il y a des problèmes avec les documents qu'on a trouvés. » Il dit aussi « C'est bien moins grave que ce qui a été trouvé dans le cas de Monsieur Trump. » Il le dit, mais il dit, écoutez, on ne pourra jamais le faire condamner devant un jury parce que voici un gentil monsieur âgé qui a des problèmes de mémoire. C'est ce bout-là qui fait extrêmement mal. Et si je peux ajouter, la sortie de M. Biden hier a empiré la chose de façon exponentielle. Quand on sort pour dire « je n'ai pas de problème de mémoire, je suis le président et je suis capable de faire mon travail » et qu'on se trompe sur, entre le Mexique et l'Égypte, et le reste de la prestation de M. Biden, qui avait vraiment l'air d'un vieillard hier soir... Donc, vous trouvez qu'il en sort affaibli? Ça fait mal et on ne peut pas revenir. Vous dites, finalement, oui, c'est ça. Alors, finalement, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens aujourd'hui, Azeb, qui se posent des questions qu'il y en avait hier.